Amen. Acclame fortement, pousse le cri de joie pour Jésus. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Rapidement, nous lisons Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Nuko kimema kabidi ujini moyo kati Kristo nguji moyo munda mwanyi ni moyo unji nawo mu mubiri katatak nji nawo mudita buje ja mu mwana wa nzambi wakananga ni wakati filabo bwalu bwanyi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Acclame fortement, pousse les cris de joie pour Jésus. Nous bénissons le Dieu du ciel. Nous bénissons tous les orateurs. Vraiment qui ont dépiécé le grand thème, qu'on avait pendant ces conventions. Dixième édition. Intitulé la grâce de Dieu, source du salut, bois bantu bons pour tous. Zane kayuta ulula bantu ma race, ma position sociale, mais bantu bons. Dieu qui ne fait pas la discrimination des races sociales et autres, mais pour tous. Bafika na shabatoka. Et le blanc et le noir. Baluma na shabakaji. Les hommes tout comme les femmes. Bana na shabakulumpa. Les enfants tout comme le grand. Banfumu ni bajibahuekela. Le roi et ceux qui sont des rats inférieurs. Lurandu la bantu bons. Le salut pour tous. Mais lurandu lufuma kungasa wanza. Et ce salut issu de la grâce de Dieu. Baratera batumwiji. Les orateurs nous ont expliqué tous les aspects de la grâce. Ils touchaient par-ci, par-là. Ils nous ont expliqué qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez que cette grâce, c'est l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la capacité de Dieu. C'est elle qui est la source du salut. C'est-à-dire, le salut ne vient pas de la force de l'homme. Le salut ne provient pas des œuvres de l'homme. Le salut ne vient même pas de la connaissance de l'homme. Mais le salut vient de la grâce. C'est juste la grâce. Pour la grâce, Dieu nous a cherché, il nous a sauvés. On nous a vraiment parlé. Et dans les points qu'on nous a parlé, il y a les soucis de Dieu. Il y a des gens qui ont pris des avions. Les autres sont venus de part et d'autre. Ils ont consommé 8 jours pendant la chaleur. Les enfants d'ailleurs retournent à la maison vraiment fatigués. Les autres dans toutes ces choses, il y a les souci de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut que ce que nous gardons? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Que peut-on dire au public quand nous allons sortir de la convention dans quelques minutes? Quand les hommes nous verront dans quelques heures, qu'est-ce qu'ils verront reçu de la convention? Ça va très bien. Prends une bonne position. Je parle un tout petit peu. Et l'Esprit de Dieu va t'expliquer ton. Ou saisir quelque chose. Et saisir quelque chose. Comme une convention. Pas sortir à la convention. Le point. Les gens vont t'écouter. Les gens vont dire. Oh, que Dieu vous bénisse vraiment. Nous voyons la vie a changé. Dans nos églises, il y a un changement. Dans nos familles, il y a des changements. Même quand nous sommes marchés, à côté des chrétiens. Non, que Dieu vous bénisse vraiment. Correct. Parce que les choses ont changé. Qu'ils voient les choses changer. Amen. Amen. Acclame, pousse les cris de joie pour Jésus-Christ. Conclusion, on dit mon côté, la conclusion est autour d'un sujet. Ma conclusion est autour d'un sujet. Sauvé par la grâce, basouni la kungasa, pour marcher dans l'amour de Dieu. Bwakwenda mujinanga chanzambi.
Après convention, il y a une marche. Après la convention, kuchilwendo. La marche chrétienne. Lwendo lobona Christ. Sauvé par la grâce. Basungila kungasa. Pour marcher dans l'amour de Dieu. Bwakwenda muchinanga cha nsambi. Et attention, il dit autour de malosa. Notre c'est autour de trois choses. Un. Grâce. La grâce. Deux. Salut. Luhando. Trois. Chisato. Marcher. Kwenda. Anyilwendo. Pourquoi tu m'as toi? Retenez ces trois choses. Nasa, la grâce. Luhandu. Le salut. Et puis, luendu. Et la marche. Toi, ta grâce. Prenons la grâce. Grâce ou joué ce malos. La grâce fait trois choses. Bokumvo profondeur. Ou amour ou asa de kouch. Pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu dans ta vie envers toi. Ouvre des marches ou grâce. Comprends la démarche de la grâce. Mon grâce me malos. Dans la grâce, il y a trois choses. Un. Chakumpan. Chercher. Kukeba. Deux. Chibij. Retrouver. Kuheta. Trois. Chisat. Sauver. Kusungil. Ou quoi te malo? Retenez ça bien. Mon grâce, mon du malos. Chercher. Dans la grâce, il y a trois choses. Kukeba. Frères et sœurs. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Afin que tu comprennes comment Dieu t'aime. Combien Dieu a agi à travers sa grâce. Cherchez. La parole de Dieu dit. Jésus. Le Fils de l'homme est venu, Jésus. Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus mouloukou cherchait. Yes, mouloukou keba. Kinyemato. Pas le bête. Kinyonito. Pas les oiseaux. Kimbangeluto. Pas les anges. Mais moutou. Mais l'homme. Moutou akadimou jimine. L'homme perdu. Zabi mouloukou keba moutou. Dieu est venu à la recherche de l'homme. Pour actualiser la matière. Pour actualiser la matière. Prenons ta parabole. Prenons un parabole. Tu le coup chiter les Mephibosheth. Et chiter avec Mephibosheth. Parabole. Ou brebis perdu. Parabole de brebis perdu. Bon, dis-moi, mais nous, 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 on dit le berger avait 100 brebis. Nous, 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 un brebis, il perdait, il était perdu. Il a laissé d'autres. Il est parti à la recherche du brebis perdu. Et quand il retrouve la brebis, il la porte sur son épaule. Il le ramène à la maison. Il appelle ses amis. Il appelle les voisins. Venez et réjouissons-nous. Ma brebis qui était perdue, je viens de la retrouver. Et j'ouvre la parenthèse. Retrouver. C'est-à-dire l'homme avait un bien, mais le bien perdu. J'ouvre la parenthèse. Le païen que vous voyez, il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas le minimiser. Le païen sont les gens de Dieu. Mais mon église, mais dans l'église, tu dis ni pas la basse. Nous avons les enfants de Dieu. Hamlo église, en dehors de l'église, tu dis pas tout basse. Il y a les gens de Dieu. Tout ma kadinza bi mufuke. Les gens créés par Dieu. Mais pas juminés. Mais qui sont perdus. Qui Jésus couloir. Alors Jésus est venu. Pour chercher. Pour les chercher. Pour qu'à retrouver. Et il les a retrouvés. Pour sauver. Et puis sauver. Parabole mwibiki. Deuxième parabole. Mamu akadini pala techiku. Une femme avait du talent. Mais il se l'était perdu. Frère, tel que tu es là, même si les hommes te méprisent, tu as de la valeur devant Dieu. Dieu t'a donné de la valeur et donne-toi aussi de l'honneur. Le talent était perdu. La maman a pris le balai. Elle a allumé le feu. J'ai perdu un talent.
Même si j'en avais 10, mais j'ai perdu une. Il a allumé la lampe. À la recherche de la que tu as perdu. Une fois la retrouvée, elle retourne avec ça à la maison. Elle appelle les voisins. Elle appelle ses amis. Réjouissons-nous. Parce que le temps l'a perdu. Il était perdu. Je viens de la chercher. Et j'en ai retrouvé. Et j'en ai récupéré. Pas de fils prodigue. Non, mais le fils prodigue, il était perdu. Il est allé loin. Et son père était triste. Mais Dieu lui-même touche le cœur du fils prodigue. L'enfant retourne chez sa maison. Le papa a dit, mais quelle joie! Mon fils était perdu. Aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Frères et sœurs, la grâce de Dieu nous cherche. Aujourd'hui, c'est pas nous qui cherchons la grâce, mais grâce du tout Keba. Mais c'est la grâce que nous cherchons. Toi qui dis que tu vas venir Zambi, toi. Oh, tu ne connaissais pas toi Dieu. Toi qui dis qu'on est Zambi. Nous étions loin de Dieu. La grâce de Dieu. Non, ça va ensemble. L'amour de Dieu. Je n'ai rien dit ensemble. Jésus moi un déplacement. Jésus a fait un déplacement. Pour le Kumbuka. Il a quitté le ciel. Quand tout Keba. À notre recherche. Quand tout en train de nous rechercher. Toi on l'a. Et il nous a trouvé. Habite-toi Kadi. Sur les lieux où on était. Mon Jimba Djalouf. Oui, dans le puits du Djalouf. Jésus pour le manger. Et Jésus a mis le corps. Moi, je vais manger. Il tient à la croix. Ou tout comme dit Jimba Djalouf. Et sort de la puits de l'eau. Louhande. Afin que tu aies le salut. La grâce nous cherche. Aujourd'hui, tu ne pas. Si les hommes n'ont pas besoin de toi, mais la grâce a besoin de toi. Prends mes fibochettes. Prenons mes fibochettes. Mon tout moulekela. Un homme abandonné. L'eau de bar. À l'eau de bar. Abandonné. Abandonné. Mon tout chilemenda. Un perclus. David doit quel mokeji. David avait dit la loi. Paralytique. En disant un paralytique. Quel le Jérusalem. Ne peut entrer Jérusalem. Parce que selon la loi, il s'est un homme suyé. Plus loin de chez le mokeji, vous montez. Mais tu crois que tu David doit somme. Mais un jour, David a médité. David, c'est-à-dire les bien-aimé. C'est lui qui a le cœur de Dieu. C'est lui qui a l'amour de Dieu. Ah oh, Seigneur. David a dit, ne restait-il pas une personne dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien? On lui dit, Pouchala, moi, non, Jonathan. Il reste un fils de Jonathan. Mouikulo, Shaul. Petit fils à Saül. Mouikulo, départ. Il vit à l'au départ. Mais on t'informe, David. David. Il est paralytique. Moi, ne suis pas maintenant. Il ne peut pas entrer à Jérusalem. Vous avez mis la loi. David dit, David, tu vois, j'ai le cœur de Dieu. Je m'en suis et mes bifochettes. Allez-y, me chercher mes fibochettes. Mouikulo, départ. Ils sont allés sur les bars. Grâce au Dieu que Keba. Mes vies pochettes. La grâce est à la recherche. Frères et sœurs. Dans la vie. Même si l'homme t'abandonne. Même si les hommes t'abandonnent. Mais grâce. Mais la grâce. Te cherchera. Je fortifie la vie aussi le cœur de l'homme ce soir. Quoi abandonner. Que tout le monde t'abandonne. La parole de Dieu dit. Mon père et ma mère m'abandonneront. Mais le Dieu du ciel ne m'abandonnera jamais. Que tout le monde t'abandonne. Mais la grâce de Dieu va te chercher. Grâce au Dieu récupérer mes fibochettes. La grâce a récupéré mes fibochettes à l'Odeba. Grâce au Dieu briser la loi. La grâce a brisé la loi. Pour nous changer l'identité, mes fibochettes. La grâce a changé l'identité de mes fibochettes. Et puis, mes fibochettes sont en courant. Comme quoi ça? Comme est-ce que David? Mes fibochettes s'est trouvé à table avec David. La grâce. Non, c'est. Sauf. Aujourd'hui, son île. La grâce. Non, c'est. Brise les lois. Aujourd'hui, chez moi, la moquette. La grâce. Non, ça. Change l'identité. Aujourd'hui, chez la moquette. La grâce. Non, ça. Elle est. Aujourd'hui, ben, je suis là. Je ce soir. Que la grâce t'élève. L'amour de Dieu. L'élévation ne vient pas ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de la part de Dieu. Je parle à quelqu'un sérieux. La grâce de Dieu va t'élever. Amen. À tous les domaines. Effort exagéré. Ne fais pas les efforts exagérés. Replie en coup grâce. Replie-toi qu'à la grâce. La grâce. Grâce. Va t'élever. Na kwe, na kujul.
Grâce. Ne au sambo ka frontière. Tu vas dépasser les frontières. Ne au musomba. Tu seras là assis. Muba kwanga. Tu es à Bakwanga. Bakuke ba travers le monde. Mais on te cherche à travers le monde. Ne au musomba. Tu peux rester là. Mukongo. Tu es au Congo. Ba travers le monde. Mais on te cherche à travers le monde. C'est la grâce. Tu es tout qui élève. Grâce au Dieu la grâce. Nasa. Cherche. Au Dieu que la grâce. Nasa. Brise les lois. Au Dieu simule les lois. Même les lois de ta famille. Milliers partout vos. La grâce brise les lois. Nasa du simule les lois. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la loi. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. La loi condamne. Mais la grâce justifie. Moi, je suis condamné. Là où tu étais condamné, ce soir, la grâce de Dieu est justifiée. Qu'est-ce que la justification? Être justifié, c'est être acquitté. Être acquitté, c'est être libéré. Lorsqu'on est acquitté au parquet, le parquet lui est acquitté. Tu as quitté, on garde le dossier avec ton nom. Il a fait telle chose, il a fait telle chose. Puis ça le couperque, dossier au chaleur couperque. Monemo couperque, j'ai pas quoi ça chilumbo. Bah j'ai pas un tamis quand j'ai pas besoin de ma chaleur. Il n'a jamais pas quoi ça chilumbo. Mais mi quand j'ai chaleur qui n'a. Mais a dit grâce ou le yel. Mais quand la grâce elle vient. Qui nous quoi quitté? La grâce ne va pas t'acquitter. Dossier ou chaleur. Et le dossier reste non. A dit grâce ou le yel. Quand la grâce elle vient. Ou du coup justifié. Elle te justifie. Ou quoi quitté? Elle t'acquitte. Ou quoi libéré? Elle te libère. Ou en voulant dossier. Et après pas ton ouais, dossier. Bah. Ton dossier. Ouhana. On déchire. N'ayez pas quoi le chibi ou chilo l'ouetch. Qui peut pousser le Christ ce soir? Tu es justifié par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Lorsque la grâce nous justifie, la grâce nous cherche, la grâce nous trouve, tu ne peux pas courir plus que la grâce. Grâce n'a qu'à retrouver. Si tu cours, la grâce va te retrouver. Et après, grâce, tu es sauvé. Et après, la grâce sauve. Sauver, Kuchi. Sauver par rapport à quoi? Là, je parle doucement. Sauver par la grâce, mais sauver, Kuchi. Mais sauver par rapport à quoi? Je parle doucement. Pour bon, conclure. Parce que c'est la conclusion. Sauver, Kuchi. Sauver à quoi? Beaucoup comprendre. Malmenena à salut. Ou comprendre délivrance à Israël, mon esclavage, mon Égypte. Pour comprendre les grands mystères du salut, comprenez la délivrance d'Israël en esclavage en Égypte. La prière de mon cœur. La prière de mon cœur. Il faut qu'on voit la différence entre les chrétiens et les païens. Notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Il sépare la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas un Dieu de mélange. Tu amènes, je vais te dire quelque chose. Israël sauvait mon esclavage en Égypte. Je viens vers Moïse. Moïse. J'ai entendu les douleurs et les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. J'ouvre la parenthèse. Nous plan au salut. Dans le plan du salut. J'accompagne. Il y a Dieu. Il y a l'homme de Dieu. Trois. Il y a le péché, le croyant qui s'est converti. Quatre. Il y a le diable. Je suis sauvé. Tu dois découvrir ces quatre choses. Il y a Dieu. Il y a le serviteur de Dieu. Il y a même les croyants qui doivent croire. Il y a le diable. Moïse, je suis descendu, c'est Dieu qui parlait. C'est lui qui sauve. Qui monte tout le temps? Ce n'est pas un homme. C'est lui qui sauve. Qui mange le temps? Ce n'est pas l'ange. C'est lui qui sauve. C'est le Dieu du ciel. Tiens mon message, toi.
Je ne suis pas au message. Je suis dans l'église des réveils. Njumwe kalesa ya jibish. J'ai le message. Mais le même message. On cite un homme. Bobatele muntu. L'homme des États-Unis. Muntu wa kwa America. Lorsqu'on le cite. Waiba mutele. Les gens crient. Bantu babele bibiru. Bela kwa samul. Il soulève des chaises. Bela bibiru. Il pousse des cris. Je ne suis pas là. Moi je suis ici. Je suis en train de dire. Celui qui sort. Sous le soleil. Celui qui sauve. C'est le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Oui, Nazareth. Bien en plus, c'est bien la chemise, mon chocolat. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Même si tu as dans le monde, même si tu passes ta jour en famille, ne t'es-tu pas? Jésus est là. Jésus, quand il descend, Dieu change. Dieu change. Il te guérit. Il te délivre. Il te bénit. Ce soir, reçois la bénédiction. Frère, comment aujourd'hui l'église se réveille? Il m'a dit tâtonner. Pourquoi aujourd'hui les églises de réveil chancellent? Ce sont les églises de réveil qui pouvaient défendre Jésus. Oh voilà, il y a tel qui sauve. Oui, c'est tel là. Il est dans le tombeau. Oh, mon aïe, campanda du sungé, le campanda. C'est là que tu celui que moi j'annonce ce soir. Allez-y à Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem. Si vous y allez. Si vous approchez. Si vous approchez. Tu parleras. Tu diras. Je suis convaincu. Parce qu'aujourd'hui. Je vois. Je constate. Que. Son tombeau. Est vie. Le Dieu m'a dit. Les gens qui sont sauvés par Jésus. Et là, je suis venu au chocolat. Poussez les cris de joie. Je parle parce que c'est la conclusion. Mais Jésus sauve à travers ses serviteurs. Yes, Moïse, va. Moïse, andako. Moïse, c'est serviteur de Dieu. Négliger un homme de Dieu, c'est négliger Dieu, c'est négliger le salut. Je suis en train de récupérer l'église. Nous prions beaucoup. Nous montons à la montagne. Mais lorsqu'on rentre de là, il y a pas tout babou qui ne change. La vie de plaisir ne change pas. Parce qu'on ne considère pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. En Israël. Lorsqu'on voyait l'homme de Dieu, on voyait Dieu. Et là, je vais vous dire qu'on est bien de tout conclure. Vous allez crier, j'ouvre des points et nous allons conclure. Donne-moi ton addition. La parole de Dieu. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment il va invoquer le Seigneur sans qu'il n'a pas cru? Comment il croira sans entendre parler de Jésus? Comment on parlera de Jésus sans qu'il soit prêché? Comment on peut prêcher sans prédicateur? C'est-à-dire le prédicateur a nous prêché. Quand il prêche, a nous croit. Quand tu crois, tu es sauvé. Ouais, ce n'est que je suis. Dans le plan du salut, il y a la place de Dieu, la place de l'homme de Dieu. Il y a aussi la place du croyant. Les rôles aussi, on doit connaître aussi les rôles du diable. Il faut Jésus. Si tu connais que Jésus a vaincu le diable à la croix, tu ne craindras jamais les sorciers. Aujourd'hui, nous prions pour que nous avons crainte du diable et sorciers. À partir d'aujourd'hui, dans cette convention, ne craignez jamais les sorciers. Mais à partir de ce soir, que tous les sorciers, qui soient de l'église, qui soient de la famille, qui soient du quartier, qui commencent à te craindre, toi. Il faut comment tu dis Jésus moins à la croix.
par rapport à Satan. Il faut connaître ce que Jésus a fait à la croix par rapport à Satan. La tête du diable est déjà écrasée. Il n'a plus de force. Toi, tu as tué. Acclame et pousse le cri de joie. Sauvé par la grâce. Sauvé à quoi? Sortons d'abord. Déjà. Écoutez. Sauvé Kuchimwe. Sauvé par rapport à quoi? Je suis sauvé. Sauvé Kuchimwe. Mais sauvé à quoi? Malosat. Trois choses. Un. Sauvé du péché. Sauvé du péché. Deux. Sauvé du colère. Sauvé de la colère de Dieu. Trois. Sauvé. Sauvé. De la puissance satanique. De la puissance satanique. Je suis sauvé. C'est-à-dire, si tu n'es esclave au péché, toi. Je suis plus esclave du péché. Frères et sœurs, aujourd'hui, Lélu. Aujourd'hui, Lélu. Aujourd'hui, Lélu. Combien de gens vas-tu te perdre, mon église? Combien de gens que nous perdons dans les églises? Lorsque les vient, il vient à l'église. Je vais dire mon pagano, le moins galère. Daniel, un frère, il ne sait. Il regarde un frère où il sait. Hadi ça, j'ai dit jusqu'à. Après culte. Miam, il va dire retrouver. Là où il se retrouve. Maladie, benzam. Ce qu'il faut. Mais il dit, mais après tout, c'est quoi? Mais papa dit que j'ai dit. Tu m'as dit, fois, mais il y a des ressemblances, vraiment. On est sauvé, Kuchingan. Mais on est sauvé par rapport on à quoi? On est sauvé. Tu n'es pas sauvé, Dieu. Du péché. Du péché. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Mais il peut broncher. Moi, je suis un chrétien. C'est-à-dire, qui nous demeure mon péché? Il ne demeure pas dans le péché. Il peut broncher. Quand il bronche, et quand il bronche, lorsque la parole vient, la parole c'est une lumière. Dieu est un bouquet. Dieu est éclairé. Quand la parole il serait saisi. Et puis il se répand. La Bible dit celui qui va confesser, abandonner sera sauvé. Amen. Amen. Acclame fortement pour Jésus. Après la convention, si tu retrouves dans le lieu, convoie quel enfant de Dieu est là-bas. Après la convention, même si tu es porté sur la moto, même si vous portez un camion, tu ne peux pas rouler, c'est pas un péché. Parce que c'est la moto de transport, tu profites pour pécher, non? Et là, tu t'abandonnes, tu t'oublies sur la moto. Tu t'oublies sur la moto. Moto quoi, je secoue, c'est toi. Qu'il n'y a pas de secousse de la moto. Oui, maintenant, sous le dos du chauffeur. Mais qui s'appuie sur mon dos? Elle est chrétienne ou pas? Si elle est chrétienne. Si elle est chrétienne. Et elle est chauffeur moto. Yaya. Et elle. Distance. Distance. Après la convention. Et ta vie change. Moi, je suis tout le cas. Où tu t'es livré coup péché? Tu es délivré par rapport au péché. Tu peux broncher. Ou dis-moi, écoute, tout le monde. Tu peux écouter. Oui, tu peux écouter. Tu peux t'énerver. Mais Saint-Esprit. Quand tu dis-moi, moi, je peux convaincre. T'es convaincu. J'ai péché. Dis-moi, ça boupe. J'ai péché. Et yo, tu m'as tout raconté. Deuxième point. Tu dis sauvé. Tu dis-moi, sauvé Dieu. Colère, Wansan. À la colère de Dieu. Un sauvé. Moussoungila. Tu passes au jugement. Ne passera jamais au jugement. Parce que Jésus a la croix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a porté la colère de Dieu. Tout le monde, Jésus. Nous, on était en Jésus. Mais tous les châtiments, les Jésus, notre substitut. Voilà l'amour de Dieu. Il a pris notre place. Il a substitué. Oh! Ah, yes. Oh. Frère, Bakuhala capital, qu'on te prive le capital, le capital de commerce, mais ne manque pas Jésus. Jésus. N'abandonne jamais Jésus. Bakuhala prophète. Pour aller saisir un prophète. Les prophètes, il est notre seul nom.
Mon prophète a mon dit toi. Dis, ne me donne pas les capitales. Je ne crois pas au prophète. Je ne crois pas à l'ange. Je crois à Jésus. Dieu n'est pas Yes. Jésus. Yes. Yes. Et nous prêchons des saints. C'est un Dieu de dernière minute. S'il ne fait pas m'aider, il va adoucir. Avant le coucher du soleil, Dieu se lèvera. Il parlera. Et quand il parlera, ta vie changera. Un homme sauvé, il est délivré de la colère de Dieu. Un homme sauvé, il est délivré de la puissance du diable. Le diable ne peut rien faire sur toi. À la croix, diabolo, le diable, sa tête, hein, son autorité était écrasée. Si vous êtes à l'église, ta tactique technique à diabolo, ce n'est pas mauvais. On t'enseigne, on t'apprend les tactiques et les techniques du diable. Kim peka tuto. Là, je range quelque chose. Si vous vas dans l'église, on prêche comment les sorciers et Satan piègent les hommes. C'est un péché. Kim peka tu moinsato. On t'apprend parce que le diable est lissé. Il est déjà vaincu, mais il bouge sa queue. Quand on te prêche le diable, le puissant, quand il bouge sa queue, c'est pour te réveiller. Et il a foi. Jésus a déjà vaincu. Yes, maman a kuchimuna. Amen. Amen. Acclamez, poussez les cris de joie plus fort pour Jésus-Christ. Et là, je viens au chocolat pour Jésus. Poussez des multiples ovations pour Jésus. Mais Moïse. Mos wakamene bantu ku anyo imole si l'hôtel dans la maison. Amener le peuple à l'agneau l'immolé si l'hôtel monsopu. Mais Paul lui amène les gens à la croix. Kaji Paul wakatole ye bantu ku muchi muchi amakana. Paul dit. Paul juamba. J'étais crucifié avec Christ. Ngaka horeji bohamone Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Qui même ajoka bijini moyi. C'est Christ qui vit en moi. Kaji Christ ku jini moyi munda moyi. Ngaka fo. Je Paul dit ne te croire. Paul se retrouve à la croix. On ne peut pas parler du salut sans la croix. Sans l'amour de Dieu, elle a manifesté à la croix. Écoutez, enfant de Dieu. Ministre de Dieu, écoutez. Dans tout ce qu'on peut faire. Ramenons la croix de Jésus au centre. Dans nos ministères. Dans nos messages. Dans l'église, dans la vie de l'église. Dans la croix de Jésus. Soit au centre. Oui, quel hakachi. Qui peut dire amen? Où tu m'as quoi embâmé n'engagne? Jésus comme tu m'as chamacana. Jésus Christ à la croix. Hadou te bouge. Moukenge comme tu m'as chamacana. Quand tu crois au message de la croix. Hadou tonda. Quand tu confesses. Où lesquels? Et tu abandonnes. Esprit. Wabumwa du bon monde moi. L'esprit du Fils entre en toi. Esprit homme Abba Père. L'esprit qui dit Abba Père. Cet esprit là, l'esprit vivifie. Numa où tu files moi. Où tu dois la vie mon Dieu, vie ou Christ. Cet esprit amène la vie de Christ vie en toi. Vie ou Christ c'est l'amour. La vie de Christ en jinanga. Si tu m'as coulé, bouchima itele, monde entier itele. Bouchima écoutez le monde entier suivez moi. Qui est sauvé? Qui peut aller au ciel? C'est seulement à nous. C'est lui à nous qui a l'amour. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Connaître c'est quoi? Connaître, c'est découvrir et entrer en intimité. Entrer en relation. Dieu est qui? Dieu est amour. Maintenant, entrer en relation avec cet amour. Si tu vis l'amour de Dieu en toi, tu es la vie éternelle, tu es sauvé. Je parle à haute voix. Monde entier, tiens les gens. Monde entier, écoutez. Signe mon âme. Le grand signe. Où Dieu les gens. Qui prouve. On est sauvé. Que mon tout monsieur me dit. Nashio monsieur makayeb. Même s'il est seul. Fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Si tu as l'amour. Où vous faites dans mon cœur. En toi. Moué ou tu es sauvé. Où Dieu monsieur me dit. Si tu as l'amour. Où vous le tu dois aller au ciel. Où y a que tu es nous. Bah il est dans l'amour tout est vécache. Et ceux qui ont l'amour acclament fortement. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait trois choses.
Je n'ai pas ensemble, je dis à ma loi. C'est là que je vais m'arrêter. Pour marcher dans cet amour. Il y a trois choses. Quand l'amour demeure dans ton cœur, tu vas aimer Dieu. Crise sociale, crise économique, mais la plus grande crise, c'est la crise spirituelle. Bien-aimés, nous passons un moment tellement critique, un moment de la crise sociale, la crise économique, mais la plus grande crise, c'est la crise de l'amour de l'Église. Où est l'amour de Dieu? L'homme aime Dieu. De tout son cœur. De toute sa force. Avec ses biens. Quand on cite Dieu, là, il n'est pas à l'aise. Cet amour le pousse à adorer Dieu. Frères et sœurs, un racheté dans sa vie, dans sa bouche, il y a seulement l'adoration. L'adoration, c'est la confiture. C'est la confiture. Je lui dis ça, c'est qui attire les fourmis. Qui confiture ou tu me calou quoi que ton kenena. Moi bien mutu. Ici, si vous remarquez, c'est vide, il n'y a rien. En attendant, nous cycle le moi bien. Prenez seulement des cycles. En confiture, oui le moi bien. Mettez des confitures là-bas. Nous monte ton kenena tout loin. Vous verrez des fourmis venir. Ton kenena tu vois rien. Mais cela était où? Si on adore Dieu. On attire sa présence. Dans la vie. Qu'on traverse toutes choses. Mais qu'on te laisse Dieu. Dans la vie. Que tout le monde t'abandonne. Qu'on traverse les biens. Mais qu'on te laisse la présence de Dieu. La présence de Dieu. Va attirer les choses. Quand l'amour de Dieu demeure à nos cœurs, nous menons une vie d'adoration. On va faire un culte raisonnable. Deux. Quand l'amour arrive au milieu de nous, j'ouvre un point parce que je vais finir. Retenez ça. Amour envers Dieu, quand nous disons, c'est ce qu'on appelle le réveil. Qu'est-ce qu'il y a le réveil? Je bichatine. Le réveil? Je bichatine. C'est le retour à Dieu. Njaluke la kujin sambe. Retour au Saint-Esprit. Njaluke la kujuma muimpe. Amen. Qui peut dire amen? Et là tu me montres le bois Jésus. Pousse le cri de joie pour Jésus. Deux. Je bich. Hajinanga du sombo kumoyi kweb. Quand l'amour demeure au cœur, ujunanga muamen. Tu vas aimer ton prochain. L'église. Aujourd'hui, l'église. Convention cardiologique. La convention est à la fin. Empoisonnement. Il y a des empoisonnements dans des églises. Tribalisme. Il y a des tribalismes aujourd'hui dans des églises. Et ce jour même au sein des églises. Quelle église? Il y a des gens qui font actuellement les efforts pour savoir celui-ci. Il est de quelle tribu, il est d'où. Ces histoires se passent au sein de l'église. Pourquoi? Parce que votre façon de parler, c'est comme si vous êtes dans notre tribu. Allons-y, faisons une association. Là où il y a l'amour, il y a la communion. Là où il y a la communion, il y a la bénédiction. Là où il y a la communion, il y a la vie. Là où il y a la communion, il y a l'onction. Qu'as-tu que Dieu t'a donné? Si tu as un don, priez pour votre bien-aimé. Si le discernement des esprits, parle à ton prochain, quel esprit le tourmente. Si vous avez un don de prophétie, parle à ton bien-aimé l'esprit. Et quand tu prophétises, n'attendez pas quelque chose après la prophétie. L'amour, demande le bien-aimé à Dieu. Un message prophétique. Prophétise. Si tu as donné quelque chose, gloire à Dieu.
Si tu as de l'argent, si, l'amour, si on est sauvé dans l'église, la souffrance de ton bien-aimé va te toucher à ton cœur. Il est membre du corps de Christ. Ton frère a manqué. Ton frère est malade à l'hôpital. Où sont les chrétiens? Ben, le Christ, ben. Je vais laisser ce micro maintenant. Un homme de Dieu dans l'hôpital. Moi bien ça, mais l'hôpital. Abandonné à lui-même. Mouchanga yendo mulekela. Où sont les chrétiens? Ben le Christ va du quoi? Où sont les sauvés? Ben le Christ va songer là-bas du quoi? Si on est sauvé, on a l'amour. Il est quand même chaud, tu vas songer, tu vas tout faire ça là. Nous devons prier. À l'hôpital, va faire ma bouée là. Va faire ma bouée là. À l'hôpital, il y a les frères qui entrent, les sœurs également. Hadini frère. Si tu as de l'argent, ne te moque pas de ton prochain. Aujourd'hui, il a manqué. Demain, Dieu va le bénir. Dieu, c'est un Dieu de tous. Ton frère souffre. Ah, orgueilleux. 100 dollars, il se lève, il donne 100 dollars. Aujourd'hui, il devient comme un mouche. Non. Ne te moque pas de ton frère. Aujourd'hui, il a manqué. Mais demain, Dieu va lui faire grâce. Dernier point. Si on a l'amour, on doit aller vers les païens. On doit évangéliser. On doit gagner les âmes à Christ. On doit aller dans les hôpitaux, dans les quartiers, partout. On apporte l'évangile. On a dit, moi je suis sauvé. Je préfère aussi que les autres aussi soient sauvés. Tu y as mon pitage, mon man sans ange, mon bissal mi abayons. Tu dois dire ban tout le monde. Tu vas bien le même jour sur le jour. Tu changes jamais le sur le jour. Quitte yons y agit. Il n'y a plus de cimetière. Nous l'entêtons et bital le baba païen. Les cimetières sont pleins de cadavres de païens. Où est l'église du Seigneur? Et quel est son magalango du coué? Qui peut apporter la croix de Jésus? Où du moins coûte toi la moitié de ta malade? Qui peut apporter les noms merveilleux de Jésus? Où du moins coûte toi le Dieu la jacquette mon Dieu? Pour aller annoncer Jésus crucifié. Où coûte ça du coué? Yes mon Raël. Jésus en mission suisse. Le Jésus des trois clous. Où tu foules jamais? Le Jésus de la cour de pine. Jésus abibaroun. Le Jésus de maître sûr. Jésus. 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 Les Grecs ont dit à Philippe. Ben chez les Kabaliba ambele Philippe. Nous voulons voir Jésus. Tu dis pas ça comme un yes. Les Grecs. Ben chez les Kabaliba ont dit à Philippe. Ben dis pas ambele Philippe. Nous voulons voir Jésus. Tu dis pas ça comme un yes. Et Marie. Marie. Voir tous les Jésus. Il a manifesté Jésus. Pour le monde. Pour le monde. Donner un monde. Bouge mal. Bouge mal. Les païens sont fatigués. Les hommes sont fatigués. Ils ne passent bien dans des maisons. Ils passent dans le cimetière. Qui peut les apporter l'évangile? Qui peut aller faire les païens poussés par l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. C'est agapao. Agapao. L'amour de Dieu. C'est la charité. Charité. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Qui peut aller vers les païens? Pour annoncer l'évangile. Lorsqu'on est sauvé, tu veux dire mon tout son n'est pas sauvé pour nous-mêmes. Quel nous serait demande bon dans la yenda. On est sauvé pour les autres. Tu veux serait demande bon quoi? On doit aller. Tu y ailles. Allez. Tu y ailles. Prêcher la bonne nouvelle. Tu veux chailler mon lui. Tu crois que croire. Oui, ta bouche. Tu seras baptisé. N'a pas tu jibo. Sera sauvé. N'a son jibo.